Yo les petits potes, c'est Bricu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer. Donc là il y aura une vidéo aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer le 2.6 un petit peu en tournoi mondial. Et demain je vous montrerai l'arc-kick sur mon autre compte. Du coup, simplement les gars, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo tout simplement. Et c'est parti. Donc première game. Okay. Ok. Alors, là, ce que je vais tout simplement faire, c'est partir en cochon. Ok, très bien. Ce sera un zappi de la part de Damnatas. Ok. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi mettre. Attends, excusez-moi. Hop. Un petit canon ici. On va l'entourer avec des squelettes. Hein. Tout simplement, le zappi, on va l'entourer avec des squelettes. Alors, ah. Alors, ça, c'est les... Non, non, zappi gros. L'esprit. Allez, let's go. Ok. Bon. Très bien. On fait sauter le MK et on peut directement aller défendre ça. En vrai, les défenses sont assez compliquées quand c'est du MK Zappi en XF2, ça peut être compliqué. On part en cochon à droite simplement. Ok, mineur squelette, très bien pour nous ça. Juste mettre une bûche pour clean tout ça. Très bien. Cochon qui met normalement 3 coups. Parfait, nickel. Alors, ce que je vais faire, c'est je pense juste utiliser l'esprit. Ok. Ouais, force. Ouais. Ah. Alors, j'ai légèrement raté ma boule de feu. Yes. Alors, là, la garouille gros nous a mis 1000 de dégâts. Ouais. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, on peut dire que c'est pas ouf. Parce qu'elle nous a mis 1000 de dégâts, la garouille, là, gros. Pas cool, ça. Je vais l'engueuler, moi, gros. Ah. Ouais. Alors. J'avais oublié ce petit détail en fait. Ah merde, j'aurais dû mettre un. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut faire, les gars, c'est tu mets un esprit ici. Il saute. Tu mets un GDC ici. Et voilà. Et il avance. Et le canon, il va aller dépop tout ça. Et voilà. Comment gérer un MK, les gars. Canon plus. Tu mets directement le gomme de glace, voilà. Mais aussi, voilà. Très très bien. Donc là. Ok, on est. Ça va se corser là. Ok, donc là, il y a une armée squelette. Oh, en vrai, faut pas jouer son armée squelette. Ok, donc ça, on va juste mettre ça là. Très très bien. L'esprit. Ah. Ok, très très bien. Gonne de glace. Mousquetaire. Bûche. Squelette. Tac. Vite. Golem de glace. Canon. Canon ici. Pour aller tuer ça. Ouais. Non. Ah, ouais. Wouah, il force. Ok, alors là, ce que je vais tout simplement faire, c'est entourer le zappi. J'ai raté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Notre problème, les gars. Ok, on envoie le cochon, les gars. Ok, on peut réentourer le zappi, les gars. On réentoure le zappi. Ok, très très bien. Mousquetaire sur la droite. Ok, très bien. Là, on va être obligé de mettre un gun de glace. Le gun de glace qui vient juste à temps. Les gars, je pense là, on va directement repartir en cochon. Avec un pré-shoot. Ah ouais. C'est pas la. Oh. En vrai je l'avais pré-shoot là. Dommage. On va boule de feu ça. On va boule de feu ça les gars. La mousquetaire qui va mettre un coup. Ok. Très très bien. Ça se complique. Ok, on va faire partir le gun de glace au côté. On met une bûche. On met des petits squelettes pour aller attirer la Valkyrie. On va laisser gratter. Ok, deuxième mousquetaire les gars, deuxième mousquetaire. On va laisser gratter le MK. Ok, esprit de glace sur le... Là, hop, cochon. Plus bûche. Les gars, normalement ça passe. Allez la bûche. Oh, oh là là. Et les gars, on part sur cette première victoire contre un méga chevalier Zappi les gars. Wow, c'était compliqué les gars. Méga chevalier Zappi les gars, c'est pas le match le plus facile quand on joue 2.6. Mais bon, tant mieux. Ok. Petit jeton rare. Alors là, nous on veut du cochon. Donc on va demander quoi? Qu'est-ce qu'on passe bientôt? Oh, je vais les garder. On va attendre que quelqu'un fasse un échange. Ok, on a regardé ce profil. Ouais, c'était pas ouf. Ouais, c'était vraiment pas fou. Hein. Il a pas joué son arme de faire de la game, gros. Mais non. Ok, donc là le but c'est que je fasse meilleur que Rabat. Voilà, bon bah on va tenter, hein, c'est parti.
Ok, on tombe sur Jarax de 19 de The Club 200. Ok, c'est parti. Cochon. Plus bûche. What? Vous m'expliquez là ce qu'il vient de faire? Lui, gros, il a pas 5000 trophées. Lui. Impossible qu'il ait les 5000 trophées. Ok, tout simplement. Ah. Mais c'est embêtant ça. Oh ouais. Forceur 7.0, les gars. Ah, vous connaissez, hein. Bon, le sorcier, gros, il fait mal, en fait. Ok, bon. Là, il a l'air d'avoir. Il a juste l'arme squelette, les gars. Il a plus rien pour aller gérer ce cochon. Bah, j'ai envie de vous dire. Ouais, alors. Tout reste relatif quand je dis il a plus rien pour gérer le cochon, hein, ce que je vois. J'ai une boule de feu, gros. Le temps que la mousquetade dépop tout ça, j'ai pas ma tour. Ok, donc on part sur une boule de feu. Oh, mais vas-y, gros, il force aussi, là. Ok, on a des squelettes pour aller gérer ce prince. Hop, squelette ici. Canon. Canon qui va aller tuer ce prince. Ouais, bon, ça fait trop mal, le prince. Ok, canon qui va aller gérer. Ouais, des flèches dans le vent, parfait. On part en cochon. On part en cochon, les gars. On préchauffe l'armée. Ah, bah... Dommage. Ok, donc là, on a une main de départ. Enfin, une main de départ. On a une main qui est assez dégueulasse. On va aller juste cycle en esprit ici. Ok, non mais. Pardon. Genre, allô là. Ça me fume comment il met ses sorciers. Genre, il en a rien à branler de ses sorciers. Il est en mode duo, lui, c'est... Ok, il n'y a plus de sorcier. Ok, il y a cochon plus bûche. Mais non, mais... Depuis tout à l'heure, il met des armes squelettes. Ah, oh, je me rends la footing, sa mère. Deuxième canon. Non, mais... Il n'a pas fait exprès, mais non. Cochon, allô. Allô, Clash Royale. On a un souci de type Zappy là. Ok, très très bien les gars. Ok, prince. Canon. Plus une bûche. Ok, squelette. Esprit. Esprit. Ok, golem de glace. Non. Ça passe. Bah, super combat gros. Hop là, nice. Bon, là, on a eu un petit peu de chance, je vous avoue. Là, j'ai un peu paniqué sur le golem de glace. J'ai un peu raté mon golem de glace. Mais bon, c'est pas trop grave. On part sur une win, les gars. Une deuxième win. Ok, bah, très très bien. On monte à 6-2. Bah, en fait, je vous avoue que les gars, c'est le premier tournoi que je tryhard, entre guillemets. Ok, donc PK Zappy, voilà. Il est pas à 5K, lui. Ouais, il a un record à 5K, mais il est pas à 5K. Ok. Donc, je vous disais, mon record c'est 8 pour l'instant. Donc, parce que j'ai jamais tryhard les tournois réellement. Mais bon, là, je vais m'y mettre. Comme je suis maintenant de la team Liquid, ils m'ont demandé de progresser. Donc, du coup, je vais commencer à bien pour ces jeux. Déjà que je le pensais pas mal avant. Ok. Voilà. Ok, boule de feu, on pré-shoot. Parfait. Voilà, très très bien. On met 4 coups, il me semble. On part en esprit. On part en esprit. On part en mousquetaire. Je vais d'abord sur le méga héros parce que c'est le gros. Le... Entre guillemets, le tank. Enfin, les DPS. Ok, donc là, on va partir tout simplement en golem de glace. D'ailleurs, pour ceux qui me regardent, s'ils regardent cette vidéo, bah bonjour à toi. Tu te reconnaîtras. Ok, boule de feu, les gars. Boule de feu pour aller gérer cette mousquetaire. Ouais, j'en étais sûr qu'il allait faire ça, mais regardez-moi, c'est... En fait, c'est... il a pas 5K lui non plus, hein. Après, je tourne sur des gars pas ouf ici, hein. Je vous avoue, je vais même pouvoir en faire une dernière, parce que là, gros, c'est ma, bah, c'est ma troisième game, ouais, j'en faire 4-5, je pense. Allez, cochon esprit. Qu'est-ce qui va nous sortir? Surprends-nous. Niwawo. Thompson, très bien. Plus méga, et ça défend à la perfection. Très très bien. Wouah, mais comme il force, mec! Wesh! Forceur 7.0, les gars! Ah ouais, j'adore, bûche. Ok, petite bûche. Pour aller gérer ça. Très bien, donc c'est pas encore ce qu'il joue. Je sais même pas s'il a
de win condition. Enfin, je pense que oui, il n'a pas encore joué 3 cartes normalement. Donc voilà. Ok, cochon. Ok, alors, du golem. C'est délicat le golem, c'est délicat les gars. Mais vraiment, hein, c'est pas une blague. Ok, donc là, on va mettre... Merde, j'ai mis un cran plus bas. Ok, là, ce serait bien qu'il nous mette une petite value là, gros. Ah, tu veux pas? D'accord. Ah, bah voilà. Vous avez vu pas le mauvais moment. Ok, deuxième canon, les gars. On met les petits scuds pour supporter ça. On va bûcher la mousquetaire. On va mettre un golem de glace sur la mousquetaire. Ok. Il force. Ouais, c'est vraiment un forceur. Hein. Très très bien. Boule de feu. Golem de glace. Ah, trop tard. Ok, on a recycle directement sur un autre canon. C'est parti. On va aller tout simplement mettre ça là. Une petite boule de feu que j'ai bien évidemment ratée. Ah non, ça va. Ah, ça tape pas la méga, gros. Oh non, j'ai la haine. Ça tape pas la méga. Ah non, les gars, j'ai la haine. Allez, petite bûche en free shoot. Ah non, les gars, ça c'est pas juste. Ça a pas tapé la méga. Oh non, putain. Mais regardez comme il force. Oh, il est vraiment nul, hein. Si je perds contre ça, les gars, je vais péter un câble. Vraiment, je vais vriller. Ok, canon, mousquetaire. Cochon. Cochon. Ok. Regardez là, comment il place ses tombstones, genre. Ok, boule de feu. Squelette, esprit. Même. Ah, mais j'irai pas sur le canon, gros. Ah. Ah, bah, je pense, les gars, c'est une petite lose là. Sur un gars qui est bien éclaté. Parce que le gars a spam toute la game. Bah, il a été meilleur, hein. Lui, gros, il a plus de 5K, je comprends plus rien à Clash Royale, hein. Ah, j'aurais jamais dû perdre cette deuxième tour. Bon. Allez, verdict. Il a 5K2, gros. Bon, après, il a golem 13, etc. quand même, mais. Comment tu peux être aussi nul et être aussi haut en trophée, genre? Comment c'est possible, les gars? Vous m'expliquez? Bah, c'est vraiment partir sur cette dernière game, les gars. Voilà. Ok, cochon. Cochon, on prépare la boule d'effet. Ok. Prends ses mots. Très très bien. Bah, il est un peu tardif, hein. Et je t'en souviens de quelqu'un qui s'est vraiment éclaté. Une notion de Misty Grid, les Charentais. D'accord. Pousse un esprit derrière. Hop. Esprit. La petite bûche pour aller gérer ce cavabillier. On va juste mettre des petits squelettes pour aller. Pour prendre 0 coup. Et là, on part en golem de glace, les gars, simplement. Les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec. Je présente d'autres decks. Puis voilà. Hein. Ok. Esprit. Hop. Normalement, il saute pas. Voilà. Parfait. C'est ce que j'attendais. Ouais, je pense que je vais juste caler une bûche là. Hop, voilà, parfait. Il met un prince ténébreux devant. Ok, très très bien. On part sur des squelettes. Je vais mettre un petit golem de glace. Ok, très très bien, ça défend. Cochon. Ok, il met une mousquetaire. Ouais, il est un peu stupide là. Hein. Bah, en vrai, je pense que je vais assumer les dégâts, je vais juste mettre une petite bûche. Ok, très très bien, les gars. On prend un coup de mousquetaire, c'est pas dramatique. Ok, bon, là, on va partir directement en mousquetaire. Mousquetaire. Ouais. Mousquetaire for map, les gars. Ah ouais, juste la boule de feu. Ouais, non, il y a une sonnerie. Ok, lui, par contre, il décide de la boule de feu. Très 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 bien. On va juste mettre des petits squelettes, les gars. Voilà. Ok. Ouais, alors. Ça, c'est pas réellement cool, mec. J'apprécie guère moitié. Ok. Tac. Très très bien. Et voilà. Un activateur du roi. C'est pas dégueu. Il a bien joué avec son cavabellier. Ok. Mousquetaire, esprit, canon, squelette. Golem de glace. Canon. Ouais, quand même, t'étais un peu en trop là.
Ok, bûche. Esprit de glace. Mousquetaire. Squelette. Golem de glace. Canon. Esprit de glace. Cochon. Ok, on va mettre une petite bûche. Ah ouais, mais il va être relou avec son cavalier bélier. Ok. En vrai, il a bien fait shoot. Dommage pour lui. On recanon. Golem de glace. Cochon. On prépare la boule de feu. Ok. Ah, mais c'est qu'il a MK. Ah, oh, j'avais oublié ce détail. Oh oui. Ok, un coup. On boule de feu, on bûche. J'ai raté ma boule de feu. Alors. Là, les gars, on a un petit problème technique. Celui-là, là. Ouais. Ah. Ça doit pas se passer comme ça, en fait. Bon, bah, yes. Bon, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et pour tous ceux qui sont restés là, mettez hashtag karma, les gars. Pour voir les vrais. Et ciao.